Bonjour, j'ai 2 minutes pour vous expliquer comment utiliser les filtres dans Natasos. Tout d'abord, j'ouvre mon éditeur d'enquête. Donc là, j'ai créé en fait un sondage avec 2 questions simples, hein, renouvellement du logo de l'association. Et j'ai une première question qui est êtes-vous diplômé? Et la seconde question, c'est quel diplôme avez-vous? Évidemment, je ne veux la poser que quand la personne sur la première question a répondu oui. Pour ça, je vais dans la partie filtre. Ici, je crée un nouveau filtre et ce filtre-là, je vais le créer. Alors, j'ai qu'une seule question sur laquelle je vais filtrer, mais et où, c'est pour faire des filtres sur plusieurs questions. Ici, je vais faire que sur une seule question, qui est la question logique. Et si la question logique ici est cochée sur oui, alors je vais filtrer la question 2. Ici, je vais faire donc diplômé. Je crée ce filtre et donc attention, c'est bien que je crée un filtre sur la question 2, c'est-à-dire je ne poserai la question 2 que si la question 1 est cochée sur oui. Ici, je crée le filtre. Je vois que mon filtre a été créé. Si je retourne sur les questions, je vois qu'ici, cette question 2 est filtrée. Donc si vous avez plusieurs questions, vous pouvez suivre ici les filtres. Quand je suis ici dessus, je vois filtre diplômé. Donc je vais tester si ça fonctionne. Je vais ici dans la partie personnes interrogées. Ici, je clique sur générer des liens. Ça me génère des liens pour aller simuler un clic sur le sondage. Je fais ici commencer. Êtes-vous diplômé? Oui. Là, on me pose la question. Si je reviens ici et que je fais diplômé, non. Évidemment, l'enquête est terminée. Et j'ai sauté la question. Merci, à bientôt.